Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors je vous propose cette fois les bonnes manières. Alors mes chers élèves, je vous propose une vidéo à l'école. Première chose, j'observe cette affiche. Voilà l'affiche. J'entoure ce que je fais bien, soit à l'école ou en classe. Et j'encadre ce que je ne fais pas. J'évite carrément. D'accord? Avoir son matériel bien écouté. Apprendre ses leçons. Ne pas se bagarrer. Ne pas bavarder. Ranger sa case. S'asseoir correctement. Soigner son travail. Ne pas se balancer. Bien se ranger. Avoir les mains propres. Lever le doigt. Aller aux toilettes à la récréation, être poli et respectueux, faire signer mots et cahiers, soigner son matériel, ne pas crier, faire son devoir. Alors moi, je suis élève, je dois avoir mon matériel, mon propre matériel. Alors ici, j'encadre, je suis d'accord. Je dois bien écouter l'explication de la maîtresse. Je dois bien écouter l'explication de la maîtresse, je suis d'accord. J'apprends bien mes leçons. J'apprends bien mes leçons, je suis d'accord. Ne pas se bagarrer. Alors, cette chose-là, je ne dois pas faire. Alors, j'encadre. Je ne dois pas me bagarrer dans la classe. Non, elle est interdite. Je n'oublie pas mon matériel. Je dois écouter les explications. J'apprends mes leçons. Je ne me bagarre pas avec mes amis dans la cour de l'école. Ce que je dois faire, avoir son matériel, bien écouter, apprendre ses leçons. Qu'est-ce que je dois ne pas faire, ne pas se bagarrer dans la classe ou dans la cour de l'école. On continue. Oui. Je ne dois pas bavarder en classe. Alors, cette chose-là, je ne dois pas faire en classe. Je ne dois pas bavarder, trop parler en classe. Alors ici, oui, je dois ranger ma classe. Oui. Je dois m'asseoir correctement. Oui, je dois soigner mon travail. Alors, cette chose-là, je ne dois pas faire en classe. Je ne dois pas bavarder avec mes amis en classe. Je range ma case. Je m'assois correctement. Je soigne mon travail. On est d'accord. C'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes manières. Ne pas se balancer. Il est strictement interdit de se balancer car c'est très dangereux. Oui, bien se ranger. Je suis d'accord. Avoir les mains propres, je suis d'accord. Lever le doigt, je suis d'accord. J'insiste sur cela. Chaque élève qui a une réponse et doit lever le doigt. Ne faut pas jouer en classe, ne pas se balancer. Bien se ranger.
Avoir les mains propres, oui. Lever les doigts, oui aussi. Moi, je ne me balance pas en classe. C'est vraiment dangereux. Oui, je me range bien avant d'entrer en classe. J'ai les mains propres. Il ne faut pas jouer avec les ciseaux ou l'encre pour ne pas salir les mains. Et si je veux répondre, je dois lever le doigt. On continue. Aller aux toilettes à la récréation, oui. Mais si je suis en classe et je suis gêné, je demande l'autorisation de sortie de ma maîtresse. Être poli et respectueux, oui, je dois absolument être poli et respectueux à l'école ou en classe. Faire signer mots et cahiers. D'accord. Soigner son matériel, absolument d'accord. Alors, si je suis gêné en classe, je demande à la maîtresse de me laisser sortir poliment. Je dois absolument être poli et respectueux en classe et aussi à l'école. Faire signer mots et cahiers et bien soigner mon matériel. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Par exemple, faire signer mots et cahiers. Soigner son matériel. Et enfin, faire son devoir. Ce que je dois faire absolument. J'évite cette chose-là. Ne pas crier si fort. Aller aux toilettes à la récréation, oui. Mais si je suis en classe et je suis gêné, je demande l'autorisation de sortie de ma maîtresse. Être poli et respectueux, oui. Je dois absolument être poli et respectueux à l'école ou en classe. Faire signer mots et cahiers. D'accord? Soigner son matériel, absolument d'accord. Alors, si je suis gêné en classe, je demande à la maîtresse de me laisser sortir poliment. Je dois absolument être poli et respectueux en classe et aussi à l'école. Faire signer mots et cahiers et bien soigner mon matériel. Alors, mes chers élèves, je viens vous expliquer les bonnes manières en classe et à l'école. La prochaine vidéo, je vous propose d'autres façons bien éduquées, d'autres bonnes manières. À plus tard et à très bientôt!